Gros vendeur de disques dans les années 80, Gold est l'un des rares groupes français à avoir aligné 5 tubes consécutivement dans le top 10. Calicoba, plus près des étoiles, Ville de Lumière, Laissez-nous chanter ou Capitaine abandonné sont autant de signatures indélébiles dans le grand livre de la musique. Nous, on nous a dit qu'on était un groupe hythmique. Hythmique. Oui. On faisait des hymnes. Ah, d'accord. En fait. Voilà, je vous offre le néologisme du jour. D'accord. Ça veut dire, vos morceaux, on dirait des hymnes. C'est un peu ça. Mais c'était dans l'esprit de l'époque, avec les gros sons de synthé, plein de voix partout. Et un soupçon de lyrisme, et avec les textes à l'appui qui venaient souligner tout le côté musical, surtout, des compositions. Gold a survécu au changement de line-up de maison de disques et surtout de mode grâce à une musique intemporelle. Si le vent du succès a tourné, les Toulousains continuent à garder une imperturbable candeur sur scène. Ce Hard Rock Collection fut une grosse claque, d'autant plus grosse qu'inattendue. On a tous dans le stratocaster usé, une petite copine de salle pour les sorties des lycées. On a tous dans le cœur un morceau de rock à bûcher, un lieu gimmick de rêve pour faire le beau dans le quartier. Répertoire, on a intégré effectivement des chansons que le public connaît moins, on a même fait un medley de titres rock qu'on aime bien, et après forcément il y a toujours les tubes, ils sont là, hein, on est obligé quoi, on est obligé et puis on ne gêne pas, c'est pas ce que je veux dire, hein. Ça fait partie de notre identité, et donc on a toujours autant de plaisir à les jouer, c'est pour ça que le live c'est intéressant, c'est que le live quand tu démarres ta soirée, tu recommences tout à zéro à chaque fois, donc... Je comprends pas trop les gens qui font du playback, mais bon, c'est leur problème. Comme un diamant qui se pose, je branche de mes doigts. Tu viens chacun vit devant moi. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. La musique de Gold respire la diversité. Le groupe a enregistré 5 albums studio. Le dernier date déjà de 1999. Alors messieurs, à quand le prochain CD? Si on fait quelque chose, il faudrait quand même que ce soit non. Une belle sortie, quoi. Mais on se prend pas trop la tête, hein. Ouais. C'est vrai, mais bon, c'est vrai que si on a l'opportunité, on le fera. Mais c'est vrai que là, on a un rythme de vie quand même. Un ronron? Non, pas le ronron, ah bon. Mais tu sais la vitesse de croisière. Ouais, plutôt quoi. Voilà, avec nous. On a maintenant nos petites habitudes et on se prend pas la tête comme ça se reprise autrefois quoi, quand donc on était jeune. On fera un album certainement, mais ce sera il va falloir que ça nous tombe dessus quand même. En pleine sérénité. Et sénilité aussi. Sénilité. Humour, simplicité, Gold est bien resté un groupe en or.